L'un a des ambitions assumées, devenir champion de France 600. L'autre découvre une autre catégorie, la catégorie reine, le Superbike. Bonsoir à tous, bienvenue dans Warm Up. Votre rendez-vous, vous le savez, tous les samedis soirs, on va débriefer de ce qui s'est passé dans la journée, les essais chronométrés. Nos deux invités ce soir, vous les aurez reconnus, un certain Guillaume Raymond en 600 et un Superbike, Enzo Boulom. Bonsoir à vous messieurs. Alors l'un porte le bonnet, l'autre la casquette. On va commencer tout de suite par cette météo un peu compliquée. Hein. C'est vrai que ce n'est pas des conditions idéales pour se remettre en jambes ici au Mans. Température, c'était 7 degrés ce matin au niveau de la piste. Pour chauffer les pneumatiques, c'est compliqué, Enzo Boulom. Ah oui, c'est vrai que c'est pas simple. En plus, moi, j'ai pas roulé du tout de l'hiver, donc c'est un petit peu la mise en jambe ce week-end ou sur le week-end de course. Donc pas simple, découverte de la mille, découverte des pneus Dunlop aussi. Pas simple, et comme tu le dis, avec des météos vraiment délicates, c'est pas simple du tout. On a eu quelques gouttes depuis du changement parce que les essais chronométraux cette année c'est un peu différent. L'année dernière, tout simplement, l'essai chronométré du samedi matin permettait d'avoir la grille de la course numéro 1 et les essais chronométrés de l'après-midi c'était pour la course numéro 2. Là ça change radicalement parce qu'il y a une seule séance d'essai chrono qui détermine la course 1, et pour la course 2 du dimanche après-midi, eh bien, faut tout simplement regarder les temps de la course 1. J'ai bien tout résumé? C'est ça, tout à fait. Donc bon, l'avantage c'est que ça permet de les pilotes qui sont un petit peu loupés en qualif et qui sont plus rapides en course, de pouvoir revenir sur la course 2. Donc c'est un nouvel aménagement à voir si ça marche ou pas. Nouvel aménagement aussi pour toi cette année, hein. C'est vrai que le 1000 c'est différent. En 600 tu avais fait une belle saison l'année dernière, alors il y a eu pas mal de chutes c'est vrai, mais là tu reviens avec des objectifs simples, te faire plaisir tout simplement. C'est ça, alors bon, forcément me faire plaisir, pas faire la même chose que l'an dernier. Donc l'an dernier on est arrivé, on était déjà devant dès le début. Je ne pensais pas être à ce niveau de performance dès le début. Et c'est vrai que tout ça un petit peu chamboulé et on a fait une saison vers la fin qui n'était pas forcément terrible. Donc là on projette de faire l'inverse justement, commencer doucement et puis monter crescendo. Et le but toujours est-il de gagner des courses et viser surtout au championnat de France Challenger. On est remonté un petit peu dans le riz, un petit peu derrière, parce que vous connaissez celui qu'on va voir tout de suite, le numéro 25, il n'a pas changé de numéro, Enzo Boulom. Enzo Boulom, on avait l'habitude de te voir en 600, une saison compliquée l'année dernière, ça on l'a dit, on en a parlé hier dans Warm Up, notre émission du samedi soir. Là, on est au milieu de grille, bon, on y va pour se faire plaisir toujours. Oui, toujours pour se faire plaisir. Bon, ce matin, malheureusement, j'aurais pu faire un podium au Challenger, qui aurait pu être pas mal quand même pour la première course. Là, on part quand même bien, on est premier challenger, je suis 10e sur la grille, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va essayer de gérer et de finir la course, justement. Ça, c'est important, toujours. Chez les challengers, Enzo Boulom a parfaitement su tirer son épingle du jeu et s'élancera de la 9e place. En revanche, pour Enzo Boulom, une nouvelle fois vainqueur dans la catégorie challenger. Enzo Boulom avec le 9e temps et le plus rapide des challengers. Enzo Boulom fait le meilleur temps en challenger. Le Mans l'an dernier, le Mans 2019, du coup c'était quand même cette année, où au petit matin on m'a demandé de donner tout ce que j'avais pour pouvoir remonter. Et je suis remonté, j'ai gagné 50 secondes sur un relais sur la moto 1.